Bonsoir. Bonsoir. J'avais perdu la vue, Jésus m'a remis la vue. Tu avais perdu la vue? Oui. Tu ne voyais plus rien? Non, non. Depuis quand? La semaine passée. La semaine passée? Oui, oui. Tu ne voyais plus rien? Rien. Maintenant, tu vois? Je suis allé dans les hôpitaux, je suis allé à l'hôpital général. Là-bas, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Je suis allé à l'hôpital militaire, c'était pareil. Ils ont dit que ce n'était pas à leur niveau. Je suis allé en clinique, la même chose. Donc, ils ont demandé qu'on me garde à la maison. Et mes parents ont voulu m'emmener du côté du noir. J'ai dit non, moi j'ai accepté Jésus, donc je reste avec Jésus. Et j'ai eu la visitation, les frères qui sont venus prier. Aussitôt, l'œil s'est ouvert. C'est celui-là qui a un peu résisté. Mais lors de votre prédication là, à Nzaïon, j'ai cru. Et voilà, l'autre œil est revenu. Donc maintenant, j'ai repris la vie. Faire ça, les deux yeux, sa vue détruite, sa vue était détruite, il avait perdu sa vue, les deux yeux étaient partis, il est devenu aveugle. Quel âge as-tu? 24 ans. Il est devenu aveugle à 24 ans. Il était devenu aveugle à 24 ans. Il est parti voir plusieurs hôpitaux. Et à chaque fois, on lui disait, ton problème ne relève pas de notre compétence. Médecin, tout le monde était coincé. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Mais, celui qui a dit qu'il est le commencement et le dernier n'avait pas encore dit son dernier mot. Quand on est coincé, il faut chercher. Même quand on n'est pas coincé, il faut chercher. On lui propose d'aller voir un mystique. Il dit non, non, moi je suis chrétien. Je crois que Jésus est plus fort que Bouddha. Comme cet homme naît aveugle dans Jean 9. Les yeux ont obéi à la parole de Dieu. D'abord, les frères sont partis, ont prié. L'œil là est revenu, l'œil droit. Il restait l'œil gauche. Il est venu, c'était dimanche. Dimanche. Pendant la prière, pendant la prédication, l'autre œil est revenu. Les deux yeux. Sans opération chirurgicale. Waouh! Gratuitement. Ses yeux ont été créés par toi et pour toi, Doudou. Oh, mon amour. Sa vue. Par qui? Sa vie a été, créée par toi et pour toi, Jésus. Elle ne confesse pas ton nom. Si elle ne confesse pas ton nom. Elle n'a vraiment pas. C'est qu'elle a rien sur moi.
confesse pas ton nom. Qu'elle ne confesse pas ton nom. C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Qu'elle n'a vraiment pas de sang. Ta vie a été créée. Ta vie a été créée. Pour toi et pour toi, Jésus. Pour toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas.